Soyons sages, soyons fous. Pour écrire sur la musique, il faut de la musique. Si tu en mets, la musique, elle est partout. Elle naît sous la douche, elle te poursuit dans l'ascenseur, elle t'accompagne au supermarché, elle fait la fête dans le poste et elle se télécharge dans ce que Amnésie t'appelle sans brancher un lecteur. Pour écrire sur la musique, il suffit de se coucher dessus. C'est une plage, dit-on, c'est une ambiance, paraît-il. C'est un bien commun qui ne fait plus aucun mal, alors sois sage et sois fou. Écrire sur la musique, tu vois ce que je veux dire? T'entends la façon dont je le dis? Tu comprends bien que dans ces conditions, la musique est une surface, un plan, disons, une table, et toi t'écris donc dessus. T'écris sur la musique, et forcément, ce faisant, tu la recouvres, t'étonnes un peu de Beethoven, et dessus tu mets des couches de notes qui sont en fait des lettres. Tu prends une partition, n'importe laquelle, ça peut être un chant de Barbelé sorti par Paganini, ou une cuve en inat remplie par John Cage. Ça peut aussi être un tube des années 70 qui fait pop. Dès que tu débouches, tu prends ce qui va et prends ce qui vient. Prends le va-et-vient des valses si tu veux. Prends le torio furieux de Wagner par les cornes de ses Valkyries. Tripote la reine de la nuit avec le tempo ténu du ténor. Ça marche, ça marchera, tu verras. L'important c'est que tu sois sur la musique. Pas dedans, pas à côté, mais sûr et sûr de toi aussi. Parce que tout ça, ça glisse. Et tout ça, ça tremble. Et tout ça, ça dérape. N'oublie pas que la musique c'est une fête. C'est plus un temple, c'est plus un désert. Ça n'a jamais été une solution à 100%. C'est un meeting. Je sais pas la musique qui t'a invité, mais le silence qui a aucune envie que tu l'entendes. Et grâce à la musique, c'est comme taper sur des monosyllabes. Rock, jazz, pop, hip hop, rap, dance, house, grunge, blues. Et bien sûr, il y a aussi le reggae, la salsa, le gospel, le flamenco et le ragamuffin. Mais si tu décomposes, c'est toujours une syllabe plus une syllabe plus une syllabe plus une syllabe. Écrire sur la musique, c'est comme taper sur des couches d'un clavier. C'est une touche à la fois, même si tu tapes vite. Tu peux aussi faire des combinaisons de touches, on appelle ça des raccourcis clavier. Mais personne n'est dupe, et surtout pas ton ordinateur qui plante deux fois sur trois. Alors, sois sage, sois fou, mais si t'écris sur la musique, te prends pas trop pour Glenn Gould quand tu t'assois à ton bureau. Parce que Glenn Gould, lui, il écrivait pas sur la musique, Glenn Gould. Il laissait la musique écrire sur lui et ça s'entend. Tu peux l'entendre âner et pester, mais il aimait ça. Et puis chacun son clavier. Il n'a jamais été question de ça. Personne n'a jamais parlé d'écrire sur la musique, ce sur, la préposition sur qui vient après écrire et avant la musique. La préposition sur qui marque la situation d'une chose à l'égard d'une autre qui serait donc en dessous. Imagine un instant que c'est un tout petit coquillage dans lequel jamais tu t'entendras la mer. Imagine que ce coquillage est là devant toi et oh mon Dieu, comme c'est dommage. Tu viens de l'écraser, il n'en reste rien. Il reste rien, il reste, qu'est-ce qui reste? Il reste. Il était temps d'écrire la musique. Pas sur Malin, Mancini, Marin, Marais, Massenet, Mandelson, Morricone, Monteverdi, Morrison, mais écrire la musique sans le sûr, sans être sûr, on peut essayer, c'est un autre exercice, c'est pas un exercice. Alors sois sage, sois fou, mais ne sois sûr de rien, et sois sourd aussi, sois aveugle des oreilles, manchot des oreilles, surtout, n'appuie pas sur play, surtout, ne monte pas le volume, occupe le volume, retourne sous la douche du déluge et fredonne l'air de la création. Écris la musique et si tu composais l'écriture, de toute façon tu sais faire que ça. Écrire la musique, t'es Monsieur Jourdain, tu fais de la musique et tu le sais même pas. Alors sois sage, sois fou, mais le gros avantage c'est dans ta partie, y'a jamais de rappel et quand c'est fini, bah c'est fini.